Jones. C'est toi qui fais ce bruit? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce qui... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui fait ce bruit? Bah, c'est mes claquettes. Mais bon, t'as été où là? Je suis allé à la piscine, j'ai les pieds un peu mouillés. Ah, je pensais, je me réveille, t'étais pas dans la chambre. T'étais à la piscine? Ah oui, j'ai les pieds un peu mouillés. Ah ouais, mais là tu réveilles l'hôtel là. Oh, oh, tout de suite. T'es jaloux? Tu t'es payé 1,50€. Ah bah oui, c'est pour ça, oui. Un truc de fou à la table de la présidente, quoi. Waouh, allez, viens, viens, viens. Say hello to all my French viewers. It's the NSA president and we have the honor to sit on her table. But they have to behave and I'm not sure that's possible. No, we'll see. Not. I'll let you know. C'est pas n'importe qui est invité à la table de présidente. Non, c'est sûr. Non, c'est Michel. Oui, bon, après c'est vrai que c'est moi qui l'ai invité. Mais bon, je voyais difficilement laisser Guy là tout seul au milieu de 1500 personnes. Quel privilège quand même de se retrouver autour de la table de la présidente où il n'y a que 8 personnes sur 1500 d'invités quand même. Ah oui. Donc voilà, donc fier, heureux, honoré, humble. Hein. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben ce soir, il y a le banquet, hein, donc... Et à quelle table on dit? Restez là, on va... Vous savez, quand je vous dis que dans la vie, on peut avoir beaucoup de chance, parce que l'attitude fait qu'on attire de la chance, eh bien ce soir, nous avons aussi été invités à la table du président, mais non pas juste des États-Unis, au président de l'association des États-Unis, mais au président de la Global Speaker Federation. My French is deserting me. But hello, you can, how are you? Great to see you. You can do that in English, it's okay. Bonsoir, au revoir. Thank you, Randy. Tiens! 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 Et retiens! Et re-retiens! Et tiens, il y en a encore! On veut aussi, on voit là! Tiens! Attends, il y en a encore! Il y en a encore! Tiens! Et tiens! Et tiens! La vie me réserve des surprises extraordinaires. C'est ma faute, je le sais, je le cherche. Mais là, cette fois-ci, j'étais juste dans le couloir avec mon appareil photo et mon trépied. Alors qu'une charmante jeune femme blonde aux yeux verts m'approche et me demande de l'aide. Alors forcément, je craque. C'est une jeune youtubeuse qui avait oublié son trépied dans sa chambre et qui cherche à faire une interview avec une autre auteure américaine. Et donc là, en ce moment, je les aide avec mon matériel. Et voilà, regardez. C'est super sympa. La magie dans la vie s'opère à l'extérieur de chez soi. Rien ne peut se passer si vous restez à l'intérieur de chez vous. Et là, bien entendu, les connexions se font automatiquement. Et puis la façon dont vous réagissez face aux gens qui vous abordent fait toute la différence. Maintenant, je vous présente Shannon. Shannon, you can speak in English and I would subtitle it. Oh, I wanted to say je m'appelle Shannon. Ah, very cool. It's done. Yay. So, Shannon, what are you doing in life? Oh, my goodness. Well, I spend the majority of my time as a speaker, but really, I just want to make a difference in people's lives. And so, that to me means helping people with their soft skills, emotional intelligence, cool. and being able to really connect with others. Okay, and I read something about
cheerleader? Yeah. Are you a cheerleader or was a cheerleader? Yes, yes. So I did spend part of my career as an NFL cheerleader, and so it means so much to me. If you had one advice to give, what should it be? My biggest piece of advice, honestly, is so cliche. It's to live every day as if it's the last. For me, my mother passed away right as I was trying out for the NFL, so she never got the opportunity to actually see me cheer in it the makes NFL. Sense for you. Yes, and so ever since I experienced that and went through that with my family, I just every single day and every single moment since then, I have literally tried to use every single day to live it as if it's my last. And I feel really happy about where I'm at in my life right now, and I feel really just empowered and satisfied that I've accomplished a lot of the things that I've wanted to accomplish. And I'm really happy because then I get to meet people like you without any reservation. So it's okay. Well, you know, it's not a cliche. It's really the truth. We need to live our life with a full 100%. And maybe as the first day, not the last one, but the first one. Yes. Because if it's the first one, you see the world with curious eyes, and you see life as new opportunities. You are like a kid. You see things and you are amazed. Yes. And to be amazed, it opens you a lot of new opportunities in life. Yeah. So it's my approach. So see life as the first day of your life. Yes. I feel like we are one and the same. He is like my person in France. I love him. But you are more beautiful than I am. Well, I wouldn't say that. No. Well, thank you for this time together. Thank you so much. And mwah, I love you all. Bonjour, bonsoir. Le français. It's Linda. It's Mathilde. How are you? Say hello to my French viewers. Oh, hi. You would follow this guy. Follow this guy. He knows things. He tells you cool things. Je suis là maintenant avec Tim. Tim Gard. Bonjour. Et Tim Gard, aux États-Unis, c'est un grand humoriste. Et alors, on se voit dans le couloir, on se croise, et il me donne un tout petit poulet. Itty bitty chicken. Why the chicken? Can you explain it? It is something that when people look at it, it just makes you laugh. So humor, open doors. Yes, these are connectors. And if we're in sales, if we're in marketing, we want people to connect with us. And there are a lot of people that are socially inept. These are connectors that enable us to just smile and laugh. And we all smile and laugh in the same language. I totally agree. It's my message, what I tell my viewers to. I am a Twitter follower of yours. You know that? You know that resume? Thank you. It's an honor to have you in my video. And please follow him because he's worth it. I am the American version of him. Can you tell our French friends some tips, some advice they can apply to stay positive every day? Here's the main thing. Depression and anxiety. Now, I'm a psychologist, okay? Nobody's perfect. Depression and anxiety are the misuse of imagination. Think about that. Can you imagine something positive as well as you can imagine something negative? Sure, it's a choice. And that's the secret. When you understand that it's a choice, it changes the whole game. I totally agree. On fait des rencontres particulièrement inattendues, comme entre autres Clint avec ses chaussures à poisson. Extraordinaire. Hein, regardez, si vous avez vu le film Saturday's Warrior, c'est l'acteur qui joue dedans. Et alors, il a un truc extraordinaire. Je vais me baisser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ses chaussures. C'est pas extraordinaire ça? Ah, ça c'est bon. So Clint, please explain those shoes. Why those kind of shoes? So if you check out the shoes, you've got one goldfish that's going completely opposite the other way from all the rest. And you got to be different. You got to stand out. Don't follow the crowd. You know, be you. And that's the best thing anybody could do. It's you. I thought that you guys were hilarious. And every time I needed a laugh, I would always look to you. Le fait de filmer et de faire ce vlog, c'est quelque chose de social. C'est les gens ont envie de nous parler, viennent vers nous. Ils veulent être sur la vidéo. C'est amusant. Ah, il fait bon. 45 degrés. Il fait bon. Ah, il fait bon. Et Guy, t'as un problème de prostate? Mais écoute, Guy, regarde. Et t'as tout trompé en dessous de toi. Mais non, c'est la rosace automatique.
L'arrosage automatique. C'est ce que tu dis, oui. Voilà, on voyage avec des vieux. Je fais pas cette vidéo sur YouTube. Ah, c'est tout nouveau là maintenant. Maintenant, j'ai des problèmes de prostate. Mais non, j'ai pas des problèmes de prostate. Prochaine étape, c'est lui changer les couches. Mais non, mais pas ça sur YouTube. Ah si. Attends, il y a des preuves, regarde, c'est tout trempé, mais punaise. Mais c'est l'arrosage. Non, ouais, c'est ça, ouais, l'arrosage, ouais. Hey, on est pas beau là, hein? Qu'on peut recevoir dans le monde de la conférence. Quelle expérience extraordinaire! C'est vraiment comme les Oscars, extraordinaire, fantastique, un esprit de partage et puis énormément d'émotions. Quel honneur, quel plaisir de pouvoir être là pour assister à cela et de pouvoir moi-même rêver un jour de peut-être être là sur cette scène. C'est fabuleux, magnifique. Félicitations, Léona. Merci beaucoup. Félicitations, Jason. En français. Félicitations. Congratulations. What a man. So it's filming, so you can move. You can do anything you want. Jason. Merci beaucoup. Jason, thank you. I'm so proud for you and of you. Merci. See how beautiful it is. Wow. So do you have something to say to French people? If you have one advice to give. Les incompétents. It's a good advice. Les poissons, that's all I know. Les poissons. Yeah, the little mermaid. No. I know you can do it. You can use your gifts from God and you can do anything you set your mind to. Just ask this man, right? Yeah, what is your gift? This is my gift. That's all I got. Hello, everybody in France. This is the guy. Wait till you get him back. He was here when we almost blew the place up. So, if you have something to say to French people, what advice can you give them? Stick with this guy. The best in the business. Hey, we love you all in France. Thank you so much. We love the French people. Viva la France. That we believe in you and we love you and all that's gone through. But remember that you've had setbacks. You've had challenges. But a setback is nothing but a setup for a comeback. Keep the faith and the best is yet to come. Great, so thank you. Many thanks, so many thanks. I don't speak French. But you can do English. We is all I've got. But you can. Hello, friends. I love your food, love your women, love your fashion, love your coastline. That's all I can say. So good to see you, my brother. Hello, français. Je pars d'ici, des États-Unis, de cette convention, mais gonflé à bloc avec des émotions positives et ça fait tellement de bien. Aujourd'hui, j'étais entouré de 1500 personnes qui font ce métier de conférencier pour apporter quelque chose de positif à ce monde. C'est extraordinaire. Et si je fais ce métier, c'est pour moi, à mon tour, apporter la pierre à l'édifice, apporter du bon autour de moi, toute la joie de vivre que j'ai, la partager au travers des vidéos, au travers de mes conférences ou de mes publications. C'est ma façon à moi de dire au monde qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible de voir le meilleur dans ce que nous avons autour de nous. Et c'est ça l'optimisme, aller chercher le meilleur de tout ce que l'on veut, de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne autour de nous. C'est fantastique. Enfin, je n'ai pas assez de superlatifs pour vous dire combien je suis heureux d'être ici et combien je suis heureux de faire ces vidéos, de partager ça avec vous. Elles sont peut-être parfois maladroites, elles ne sont pas parfaites. Mais ce qui est certain, c'est que je les fais avec authenticité et vraiment avec tout mon cœur. Et si vous les aimez, eh bien n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, à chaque fois que je vois un abonné supplémentaire, à chaque fois que je vois un pouce bleu, eh bien ça me renvoie le message que ce que je fais fait du bien quelque part en France ou dans le monde. Avec tout l'esprit d'amour que j'ai en moi aujourd'hui, je t'aime. Et je le dis sincèrement, même si je ne te connais pas, parce que j'aime tout simplement l'homme, la femme, l'être humain, l'humanité, pour tout ce qu'il a de meilleur en lui. Yagi, il a un rancard. Il a un rancard. Il s'est trouvé une petite amie. What are you doing? Nothing.
C'est fini, c'est fini. Guy, c'est fini. Pour rentrer, c'est fini. Allez, viens, c'est fini. Allez, viens, c'est arrivé. Allez, à la maison. On a la permission de minuit. Au dodo, allez, Guy. Allez, on est dormi. Attends, au dodo. Et je veux jouer de la guitare électrique. Il est 8h30, allez, il faut aller dormir. Allez.